Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à la fin d'un cycle où je crois qu'il faut vraiment repenser les choses. Repenser pour bien faire, pour que la France reste au plus haut niveau. On fait partie des 5 premières nations du monde en termes de résultats sportifs. On a un tissu associatif qui est colossal. On a 16 millions de pratiquants. Bref, on a tout un pan de la France, tout un pan de notre économie qui dépend de ce milieu et du sport. Si à la tête des fédérations, on n'est pas capable d'avoir des gens avec toutes les qualités pour les diriger, eh bien, nous aurons la conséquence, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui a été étalé aux yeux du monde, d'une équipe de France qui réagit mal, ne se comporte pas bien et qui est mal managée. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un problème à la tête de l'édifice, et puis par capillarisation, eh bien, on a la conséquence, c'est ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde. Alors, quelles seraient les solutions ? Je crois qu'il est urgent, là, pour deux raisons d'ailleurs, pour avoir des dirigeants de qualité, d'avoir une école de formation de dirigeants. Voilà. Un système de formation pour les dirigeants nous aiderait aussi à avoir de plus en plus de dirigeants à l'échelle internationale, sur les fédérations à l'international. Voilà, ce qui nous manque aujourd'hui aussi. Donc deux choses, bien formés, pour avoir des gens de qualité avec une vraie culture et une vraie base, et puis ensuite pouvoir rayonner nationalement et internationalement. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont formés, on aura là les gens les plus motivés, il faut qu'ils aient, en particulier pour les présidents de fédération, un vrai statut. Avec, même si ça peut vous choquer, ou si ça peut choquer certains, un vrai statut social et financier. Pour permettre à des gens de talent, qui ne sont pas ou peu attirés, parce qu'on est encore dans du bénévolat à ces niveaux-là, eh bien d'arriver et d'apporter leur qualité. Et donc ça nous permettrait, lors des élections fédérales de toute discipline, quelle qu'elle soit, d'avoir beaucoup plus de personnes en liste. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, vous n'avez qu'un ou deux candidats, et c'est bien rare d'en avoir trois. Et souvent, il n'y en a qu'un seul. Donc bon, tout ça confère à ce qu'on assiste à un phénomène de consanguinité. Il faut qu'il s'ouvre au monde extérieur, avec des gens qui amènent de nouvelles compétences et qui sont en capacité de diriger, en particulier des personnalités extrêmement fortes, que sont celles des joueurs, des coachs, et de tous les systèmes par ramification que compose une fédération. Donc beaucoup de travail en perspective. Beaucoup de travail, il faut s'y mettre dès maintenant. Prendre des mesures rapides, d'accord ? Peut-être qu'il faut mettre la fédération sous tutelle, il faut l'imaginer. Peut-être qu'il est temps d'expliquer à ses dirigeants qu'ils sont, ou de leur montrer, ou de leur faire comprendre qu'ils sont dans un autre monde, qu'ils sont en dehors de leur temps. Et les aider, parce que comme eux, comme moi, comme tous ceux qui aiment le sport, on a tous envie que le sport français rayonne.